Avec Martine et moi, on connaît personne. Non, on n'a pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants non plus, on connaît personne. On connaît que nous. Que nous deux et la SNCF. On travaille tous les deux à la SNCF. Ça fait 15 ans. On s'est connus là-bas. SNCF. C'est SNCF, TGV, TGV. C'est clic-clic-clic, composté, clic-clic-clic. Ding-dong-dong, ding-dong-dong. Ding-dong-dong, que des bordures, tout ça n'est pas. Ding-dong-dong. Très bien. Très bien. SNCF. Oh, mais c'est des trains. Ben, c'est connu pourtant. Avec Martine, au bureau, eh ben, on a une belle affiche. Une photo de train avec marqué au-dessus notre devise. SNCF, le progrès nouveau, qu'est-ce qu'il est partage. Non, c'est pas ça. Manque un truc. Ah oui, SNCF, du progrès ne vaut que c'est les partager du progrès. Ah, ça fait 15 ans pourtant. Ah oui, SNCF, oh, le progrès ne vaut que c'est les partager des progrès, c'est bien. C'est beau, hein? C'est pas ça, mais c'est beau, hein? Après la SNCF, avec Martine, on rentre à la maison. En train. Et après, on dîne et au salon, on se fait des devinettes. Des devinettes sur les tarifs, les correspondances, les horaires. Les locomotives, les wagons. On sait tout par cœur. Enfin, des fois, il y a des doutes. Hein. Et quand il y a un doute, eh ben, on téléphone au collègue à la gare. Allô, Lantier? Oui, c'est moi, oui. Dis-moi, le Amiens Bar-le-Duc de 19h15 à Dijon, ça va sur quel quai déjà? Quai numéro 2? T'es sûr quai numéro 2? Oh, crotte! T'as raison, Martine! Un point pour toi! Merci, Lantier. À tout à l'heure! Avec Martine, on a une vie saine. Une vie saine CF. Enfin, on a quand même un vice hein, dans la vie. Un seul vice, oui. Tous les mercredis soirs, depuis 15 ans, à la même heure comme les trains. On joue au loto. Tous les mercredis soirs, le petit battement au cœur. Surtout quand les boules, elles tombent, les boules du bonheur. Et il y a 3 semaines, mercredi, pas premier, hein, mais deuxième tirage, on a gagné 1 milliard. Toutes les boules, on n'était pas préparés, hein. Fou. Oh, 1 milliard. Fou. Le lendemain, on est retourné à SNCF. Et là, les collègues, ils ont dit « 1 milliard, mais il faut plus travailler !» Ah bon? On est rentré à la maison. Ah oui, parce qu'on est rentré un peu déçu, mais bon, en première classe. Ouais, parce que quand t'es milliardaire, tu peux plus travailler. Non, tu dois rester chez toi, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, au bout de 5 jours, d'un seul coup, Martine, elle a hurlé. Faut qu'on sorte! Faut dépenser tout ce fric! Faut acheter, acheter, acheter! Oh, comme toi, Minou, qu'est-ce qu'il te prend? Oui, faut acheter, oui, on va acheter, oui, comme. Mais quoi? Bon, ben moi, j'aime bien les bonbons. Alors, j'ai acheté des bonbons pour calmer Martine. Hein. Beaucoup, hein? Mais bon, même les rochers au chocolat qui, pour nous, avant, étaient chers. Hein. Surtout les pralinés, hein. Eh ben, en fait, quand t'as 1 milliard, un praliné, c'est rien. Alors j'ai acheté la confiserie. Avec Martine, on a dégusté beaucoup de confiserie. Oui, pour pas que les bonbons ils se vendent, parce que sinon l'argent il revient. Bonjour madame. Vous voulez acheter? Ah, des tagada. Un instant, s'il vous plaît. Oh, je n'ai plus. Au revoir madame. Oh. Oh, Martine, vite, va au nounours. Il y a un client qui rôde autour.
va finir les nounours. Non, moi j'en peux plus. On bouffait tout, mais ça se vendait quand même. Hein. Et surtout, ça nous a déclenché des problèmes gastriques. On a dû filer à la clinique. Enfin, en même temps, on était contents, ça nous faisait une sortie. Mais ils nous ont guéri vite, ils ont dit, allez, au revoir. Non, on veut rester, on aime bien la clinique. Non, vous êtes des rigueurs. J'ai acheté la clinique. Ah, c'est une belle clinique, hein, fou. Bonjour tout le monde. Hein? Silence, tout le monde! Chut, oui, chut. Oh, viens voir Martine, regarde. Oh, mon Dieu, ça va? Ça va? Ça va? Il m'entend pas. Ça va? Non? Ah, ben oui, hein. C'est une clinique. En voyant tous ces malades, Martine, elle a eu une bonne idée de dépense. Un don humanitaire. Financièrement, ça soulage et surtout, c'est un bon geste. Alors, on a offert un château pour Monsieur Grossemari. Mais il a dit non, il a dit non merci. Parce qu'il dit ça, j'ai arrêté l'humanitaire, ça me réussit pas. Il était fâché. Hein. Pff, oh là là. On avait 1 milliard. Avec la clinique et la confiserie, on a 3 milliards maintenant. 2 milliards de bénéfices. Et là, l'entier, il m'a dit, mais t'as qu'à te dénoncer aux impôts. Oh, mais oui, les impôts, j'avais pas pensé, mais oui. Oh. Allô, les impôts, contrôlez-nous, on fraude. Bah non, je peux pas donner mon nom, c'est un appel anonyme. Ah bon, bah c'est l'entier, ils m'a dit qu'on dénonce, c'est anonyme. Non, j'ai pas dit l'entier. Oh. C'est une blague, madame. On est des enfants, on a 10 ans, on joue avec le téléphone, on n'est pas contrôlable. Non, écrivez pas l'entier, je l'ai pas dit. Oh. Martine, on a perdu l'entier. J'ai acheté un bateau aussi, mais un gros, un paquebot. Je l'ai fait venir de Dunkerque, ça a coûté cher. Et je l'ai mis dans le jardin. Il est là, couché dans l'herbe, comme ça. Je l'ai privé d'eau pour qu'il rapporte rien. Avec Martine, on sait plus quoi faire. En ce moment, Martine, elle jette les billets et les chéquets par les hublots du paquebot. Et moi, je bois de rouge, Saint-Émilion, de mes vignes. Hein. C'est du vin cher, faut que je bois tout. Et après, je poursuis Martine en chaussons dans le paquebot. Et c'est dur parce qu'il penche. Et quand je l'attrape, je la frappe. Mais l'argent continue à rentrer, ça résout rien. Hein. Tout le monde y dit, le loto, ça n'arrive qu'aux autres. Mon cul, ouais. Ouais, mon cul. Nous, on sera plus jamais à SNCF. Entre Martine et moi, ça va plus du tout, donc on se fait plus jamais de devinettes. Mais le pire du pire, oh, le pire du pire, eh ben, le mercredi soir, eh ben, on n'ose plus jouer. On n'ose plus jouer. Oh.